Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours cachée. aujourd'hui, c'est dimanche. Et du coup, c'est pas un unboxing, c'est un haul. Voilà, Diamond Painting dans notre boutique préférée sur le marché de Boussu en Belgique. Vous aurez deviné de quelle boutique je parle. Oui, de Phone Mania. Chouchou a encore craqué sur un DP de cette boutique, mais c'est vrai qu'ils sont superbes. Je vous remettrai en barre d'infos le lien de leur page Facebook et le lien de leur boutique. N'hésitez pas à aller y faire un tour, il y a vraiment des pépites au niveau des Diamond Painting et pour un prix vraiment dérisoire. Les prix sont superbes, les DP sont superbes, les patrons qui c'est un couple qui s'occupe de cette boutique sont superbes, donc tout est super. Donc allez-y. Tout de suite, je vous dis, les frais de port sont gratuits à partir de 60 euros d'achat. Donc n'hésitez pas à faire votre plein de DP, comme ça vous ne payez pas les frais de port au lieu de passer plusieurs commandes. À la suite et de payer des frais de port. Ces frais de port que vous payez en plus vous permettent quand même d'avoir d'autres DP. Voilà. Donc faites votre commande, des commandes groupées, comme ça vous ne payez pas vos frais de port. Voilà. Et du coup, ça vous permet d'acheter un DP de plus, pourquoi pas, peut-être. Alors, aujourd'hui, un DP, bien sûr, et ici, je vais vous le montrer. Alors là, c'est moi qui vais le faire cette fois-ci. La dernière fois, Noël, c'était Chouchou qui l'avait fait, mais là, c'est moi qui vais la faire. Je vous la montre, pardon, tout de suite. C'est une carte. Alors ça, par contre, vous ne les retrouvez pas dans la boutique. Vous les retrouvez sur le stand sur les marchés, donc en Belgique. Si vous voulez savoir les villes où ils vont, n'hésitez pas à aller voir leur page Facebook. Vous aurez le nom des villes où ils vont sur les marchés. Alors, il y a une quinzaine, vingtaine de modèles. Voilà. Et là, bien sûr, j'ai pris sur le thème de Pâques. Donc, ce sera pour envoyer au fils de Chouchou. Voilà. Donc là, on a Pâques avec le lapin, l'œuf et en même temps, bah, on a le muguet. Voilà. Comme ça, bah, ça montre le 1er mai également. Bon, les deux fêtes ne vont pas en même temps, mais on a trouvé que celui-là était plus joli. Il y avait des poussins avec des œufs, il y avait des lapins tout seuls. Il y avait voilà, il y avait plusieurs modèles. Et après, il y avait d'autres modèles qui n'ont rien à voir avec Pâques. Donc, si vous allez sur les marchés, n'hésitez pas à aller voir cette boutique. En plus, bon, je vous dis, les patrons sont vraiment super sympas. Alors, je vous montre ce qu'il y a dans le kit de la carte. Donc, vous avez un petit toolkit, hein, ça comme d'habitude. Je vous montre. Ça, c'est pas grave, hein, ça a tout petit peu plié, mais c'est pas très grave. Donc, la carte, voilà, avec le plastique. Vous entendez, ça colle bien. Alors, niveau impression, bah écoutez, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Alors, vous aurez l'œuf, les fleurs et le lapin à faire. Et niveau de la carte, voilà. Bon, là, vous écrivez votre texte. Et derrière, c'est un petit décor comme ceci. Ensuite, bien sûr, vous avez les perles. Alors, elles sont en sachet JP. Je vais vous dire combien de couleurs on a exactement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a quand même 15 couleurs. Allez, je vous montre ça. Allez, arrête de flouter. Oh là là, c'est dimanche matin, il veut pas, voilà. Bon, les plantes sont très bien. Pas de poussière, rien, pas de perles cassées, j'ai pas l'impression. Bon, des fois, ça peut arriver hein, qu'on ait une petite perle cassée, hein, mais ça, c'est dans n'importe quelle boutique. Hein. Voilà. De toute façon, c'est pas les boutiques qui sont responsables. C'est les usines qui les fabriquent, enfin, les ateliers qui les fabriquent. Voilà les couleurs. Alors, ces petites cartes sur les... Comment ? Sur les marchés, vous les retrouvez au prix de 3 euros. Donc, voilà, c'est raisonnable. Hop ! Je rangerai après. Ensuite, on a donc un DP. Le voilà, le voici. Alors, Chouchou a choisi un dragon avec une japonaise qui a le dos tatoué. Alors, c'est un 40-30, je suppose. Non, 40-50. Mais je vais vous dire si c'est la taille réelle ou pas. Alors, des fois, chez Funmania, il y a des tailles réelles. Bon. Alors. Voilà le dessin. On a 24 couleurs. Et donc, la taille, je vais vous dire ça. Je vais prendre ma grande règle de couture. C'est beaucoup mieux. 44,5 sur 35. Voilà. Hop. Niveau impression, bah écoutez, c'est comme d'habitude, hein, on n'a pas de... Alors, bien sûr, si ça floute, vous n'allez pas le voir, voilà. Yeah. C'est nickel. Ça colle bien. On va regarder de l'autre côté puisque là c'est pas les mêmes couleurs. On va essayer de regarder à travers le plastique. Voilà, voyez, vraiment nickel. Alors il n'y a pas de confettis. Non, c'est pas des confettis. Bon, il y a un petit peu de changement de couleur dans la robe ici, mais sinon ça va. Alors, là, on retrouve le numéro des couleurs qu'il y a sur les sachets, les symboles, les références DMC. Donc, on a des lettres majuscules. Oui, on n'a que des lettres majuscules. Donc, vous retrouvez les références en haut à gauche, en bas à droite. Quelques petites explications ici, comment faire un DP. Mais bon, c'est écrit en anglais, mais il y a des images. Et ici, vous avez la référence du DP. Voilà, et sa taille, 40-50. Donc, c'est la taille complète. Petit toolkit avec, si je ne vous l'ai pas montré. Et niveau perles... Je vous montre ça.
Des belles couleurs. Alors, on a quand même quelques sachets bien pleins. On a pas mal de bleu aussi, puisque le fond est bleu. Et jaune. Un joli rouge. Ça, c'est du noir, oui. Et un petit dernier, alors bien sûr, ce dernier il va flouter, qui est marron. Alors, celui-ci de DP, alors je vais vérifier qu'il est dans la, encore dans la boutique. Si je le trouve dans la boutique, je vous mettrai le lien. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mets le lien de... Bon, je changerai ça après. je vous mets le lien de la boutique, de la page Facebook. Et si je trouve le lien de ce kit, je vous le mets également. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée ce matin. Ce kit, on l'a payé au prix de 10 euros. Donc, ce qui veut dire que sur le site, s'il y est, il sera à 9,99 €. Voilà. Je vous ai toujours expliqué à chaque fois... les prix sur le marché, ce sont des prix ronds. Ça évite de rendre la monnaie, voilà. Et sur la boutique, vous avez des prix au centime près. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, pour ce petit dimanche. Donc, je vous dis, c'est pas un unboxing, c'était un haul. Donc, je pouvais le faire aujourd'hui. nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous et courez vite dans cette boutique, vous n'allez pas être déçus. Bisous bisous.